On se retrouve pour la rétrospective de l'année 2023. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en cette nouvelle vidéo où bah on va faire la rétrospective un peu de l'année 2023 et voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette année 2023. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis euh, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve normalement sous la vidéo. Euh, voilà, tu auras euh, la plupart de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée c'est que je te montre un peu tout ce qui s'est passé pendant cette année 2023 pour que tu puisses te rendre compte aussi des évolutions qu'il y a pu y avoir dans le monde du minage pendant l'année 2023. Hein, parce qu'on a une année quand même, qui a été quand même très très difficile euh, avec très très peu de rentabilité immédiate hein, pour ceux qui aiment bien chercher la rentabilité immédiate par contre on a eu des coins euh, euh, en, en spec mining qui ont juste été absolument fantastiques quoi on a vu deux pumps cette année euh, des coins en proof of work hein, un pump qui était aux environs de mars-avril et puis un second pump qui, est, euh, qui a été plus récemment qui a été juste exceptionnel pour certains coins je pense en particulier au Carlsen hein, où euh, bah moi j'ai quasiment battu tous mes records hein, avec ce coin là quoi donc je vais vous je vais vous montrer un petit peu euh, euh, tout ce qui s'est passé déjà au niveau des coins hein. donc le caspa euh, qui est un coin qu'on a commencé à miner en 2022 hein, en juin il me semble hein, euh, mais juin 2022 euh, et bah malheureusement le caspa on ne peut plus le miner hein, puisqu'il est passé euh, euh, C'est un coin qu'on peut miner maintenant qu'avec des asIC. Hein. Malheureusement les asics sont arrivés sur le réseau. Heureusement pour certains, hein, vont dire hein, c'est juste une question de point de vue. Nous, en tant que mineurs de garage, bah, les ASIC, c'est pas terrible. Voilà, bon, alors quand même, pour la défense de Caspa, il euh, y a des petits AXIC qui existent, hein, les, les KS0 Pro par exemple, qui sont de petits ASIC. Et donc, ça, euh, je trouve ça plutôt pas mal parce que ça augmente la décentralisation du coin. Donc, pourquoi pas. Euh, après, euh, voilà, c'est un peu tristouné quand même, les ASIC, je trouve. Voilà, on a eu ce coin là, le nouveau, hein, qui est un coin qui est apparu au tout, 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 tout début de l'année 2023 en spec mining c'est un coin qui a été très intéressant qui a été rentable pendant un moment alors que la plupart des autres coins ne l'étaient pas hein, euh, voilà il y a eu des problèmes de wallet et des choses comme ça si vous avez toujours des problèmes de wallet vous avez des coins bloqués vous vous rendez sur nouveau point monnaie et euh, vous avez euh, le wallet hein, qui est ici par, euh, par paragon hein. vous cliquez sur guide paragon et vous devriez pouvoir récupérer tous vos fonds on a eu la naissance du Nexa hein, pendant cette année euh, 2023 euh, qui a été un coin extrêmement intéressant en termes de spec mining, hein, puisque les premiers jours on faisait euh, 40-50 millions par jour. C'était quand même très très intéressant. Sachant que maintenant, quand on mine avec toute sa ferme, on fait 400 000, 500 000 coins par jour, à peu près. Hein. Bon, moi c'est des estimations par rapport à ma ferme. Voilà. Euh, et donc ça c'est un de mes coins préférés à le Nexa. Hein. On a eu ensuite le chinette alors qui n'a pas été fantastique hein, en termes de rentabilité euh, ni de spec mining. Hein, on peut pas avoir bon à tous les coups. Hein. Euh, on a eu le Dero qui a été très très intéressant au niveau du minage CPU. Hein, parce que cette année 2023, faut dire qu'une chose importante, euh, on a revu la naissance du mining CPU qui est revenu un peu sur le devant de la scène, en particulier sur cette fin d'année. Euh, faites attention aux faux mots. Hein, trop de matériel en ligne etc euh, bah euh, voilà ça sera plus rentable pour personne quoi euh, le déro euh, un coin en, en, en dague hein, euh, comme caspa hein, euh, avec des particularités un hein, block time extrêmement court de 0,5 secondes vraiment très intéressant ce coin euh, moi je l'ai miné pendant un bon moment hein. il ya même des poules des nouvelles poules qui sont créées etc très vraiment un coin très intéressant avec tout un écosystème j'ai ai beaucoup aimé miner ce coin ensuite on a eu l'iron fish hein, euh, euh, qui marque un peu je trouve le renouveau de ces coins en proof of work avec de gros backers derrière hein. il y a des gros fonds derrière hein, qui ont investi dans euh, voilà alors moi je suis pas un grand fan de ce coin là j'aime pas les tokenomiques un peu biaisés euh, comme ça où euh, bah il euh, y a des gens qui ont déjà investi en amont donc ils vont vouloir récupérer leurs fonds et donc ça veut dire que petit à petit le coin va partir à la cape parce qu'ils vont dump quoi c'est obligé hein. On a vu aussi la naissance ou le renouveau de certains types de coins, comme le KilaCoin ou le RedBlock, qui sont des coins particuliers, puisqu'ils euh, euh, ont une émission très peu élevée et il euh, y a un nombre de coins, une max supply très basse. Hein, donc le, le KilaCoin, il me semble que c'est 21 000 coins euh, et le RedBlock, je crois qu'on est sur euh, 10 000 coins à peine je veux dire dans toute la totalité de la max supply quoi. je veux dire il n'y en aura jamais plus il me semble qu'actuellement le red block on doit être sur 800 ou 900 coins euh, grand maximum, hein. donc tu vois, quand on a un, bah, tu te dis que si le truc euh, monte, euh, voilà. Et donc, il y en a qui ont gagné pas mal d'argent avec ce type de coin, hein, puisque comme ce sont des coins qui sont très rares, s'il y a la communication qui va derrière, euh, bah, ça permet d'avoir euh, euh, de l'achat et de la revente, du volume hein, et des mouvements sur ce type de coin, et donc ça permet voilà bah, de traîner un peu et puis de, de se faire un peu de sous. Et nous, en tant que miner ça nous permet de, de vendre notre production quand les prix sont intéressants. Hein. Euh, moi, j'ai pas mal miné de euh, red block hein, pour ça hein. et donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre quoi hein. grosso modo ça se passe comme ça on a vu aussi euh, le retour de certains coins qui étaient en ASIC qui reviennent vers du proof of work de garage hein, je vais appeler ça comme ça c'est à dire à base de cpu puis à base de gpu hein. puisque le décret on a pu le miner avec des cpu au départ Hein, quand, quand, le, 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 quand les addicts sont partis, hein, et puis ensuite des miners GPU sont arrivés. Hein. Voilà, il existe différentes poules pour le Decred. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez toutes mes vidéos, normalement, j'en ai fait trop quatre, je crois, sur le Decred. Voilà, c'est un coin qui quand même, à son top lors du précédent bull run, était monté dans les 200$, dollars, il me semble. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à miner en termes de spec mining. Après, n'est pas un nouveau coin, donc tu ne vas pas faire un nombre de coins extrêmement important au départ bon c'est du spec mining de base quoi vraiment classique quoi voilà euh, ensuite euh, voilà je voulais revenir sur le dinex hein, qui est né en 2022 mais bon j'ai fait quand même une vidéo pour expliquer comment on mine le dinex en 2023 c'est un coin qui a beaucoup beaucoup évolué hein. il vient encore d'évoluer récemment puisqu'ils sont en train de mettre en place le fait que bah, les transactions sont non euh, sont lisibles par tout le monde, elles sont transparentes, hein, comme sur Bitcoin. Hein. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Euh, autant il y a des coins comme euh, le Monero, par exemple, ou le Zephyr, euh, dont on va en parler juste après, où effectivement, là, on est plutôt à la recherche euh, de la discrétion euh, euh, ou de d'un de, 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 certain respect de la vie privée. Autant sur le Dinex, qui est un coin. Euh, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui permet d'avoir de l'intelligence de mettre à disposition des kits d'intelligence artificielle euh, ou de calcul, euh, bah, euh, pour le coup, ça n'a pas trop d'intérêt que tout ça reste privé. quoi. Voilà, ensuite on arrive évidemment au Zephyr, hein, qui a été une des grandes révélations de cette année. Euh, le Zephyr qui a été euh, le, le, le moteur hein, euh, vraiment euh, du mining. Euh, en, en, avec des CPU, hein, avec, donc avec des processeurs. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant euh, avec euh, une overcollatérisation, l'implémentation du protocole JED. Hein, donc, euh, voilà, qui, qui, je ne vais pas revenir sur les fondamentaux de ce coin-là, mais ils sont vraiment très bons. Évidemment, hein, pour tous ces coins-là, ne les achetez pas quand ils sont en phase de montée. Hein, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, j'en ai acheté, il était à 50 balles, etc. N'achetez pas des coins quand ils montent. Hein, il faut acheter des coins quand ils descendent quand le prix baisse Alors je sais que c'est contre intuitif mais c'est comme ça que ça fonctionne quoi hein donc si vous achetez des coins à 50 balles c'est comme ceux qui ont acheté des bit bitcoins quand il était à 60 000 dollars, quoi ou à 60, 68 000 dollars, quoi je veux dire euh, euh, il faut pas l'acheter quand on est euh, en train de monter hein, on achète des coins quand ça redescend euh, voir euh, quand c'est vraiment redescendu, etc. Si vous voulez vraiment acheter certains coins, vous attendez euh, qu'ils soient bien partis à la cave pour les acheter. Hein, quand ça n'intéresse plus personne, peut-être qu'il y aura un renouveau et peut-être que c'est là que vous ferez des sous. Hein. Euh, le Carson Network, hein, une des secondes grandes révélations de cette année, ça a été un des coins les plus rentables en termes de mining. Actuellement, même aujourd'hui, c'est le coin le plus rentable à miner. Bon, alors évidemment, la difficulté a explosé. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y a encore un parc euh, de mineurs GPU extrêmement important. N'empêche que le Carlsen actuellement euh, arrive à absorber une quantité de mineurs phénoménale. Donc ça c'est plutôt bon signe. Euh, pour la suite, est-ce que ce type de, ce de coins, c'est-à-dire des forks euh, ASIC résistants, euh, vont pouvoir euh, soutenir une croissance des mineurs pendant le prochain euh, bull run Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister. On a déjà vu hein, durant cette année 2023 bah, euh, des coins qui ont permis d'avoir une, une belle rentabilité journalière euh, sur le mining GPU. Hein. Ça a été très très difficile quand même. Hein. Ça a été là, vraiment la traversée du désert après. The Merge d'Ethereum hein, qui a mis le bec dans l'eau à euh, plusieurs millions euh, de mineurs. Euh, donc là, effectivement, euh, euh, on a eu deux, euh, quand même. Euh euh, deux écrémages, on va dire ça comme ça, deux épurations hein, des mineurs hein, euh, pendant un moment. Hein. Donc de temps en temps ça revient, mais voilà, je, je vous répète, faites quand même attention, hein, on n'est plus sur le mining comme on pouvait le connaître avant. Hein, donc réfléchissez bien avant de vous lancer, il s'agit pas de se dire ouais, moi je vais mettre un miner, etc. Il faut, faut bien poser le pour et le contre, regarder des vidéos de moi, de mes confrères en français, en anglais, en américain. Hein, pour vous faire une idée de ce que c'est un peu que, réellement que le mining. Euh, voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé. Hein, il y a eu divers pumps hein, des, des coins en proof of work pendant l'année 2023, hein, ce qui me conforte dans le fait que euh, il y a une lame de fond quand même. Euh, et j'en parlais d'ailleurs pendant. Euh, une émission que j'ai faite avec Capet l'autre jour, hein. il y a une lame de fond quand même euh, qui n'est pas euh, qui n'apparaît pas dans les médias mainstream et qui n'apparaît pas euh, enfin qu'on qu voit pas, hein, mais qui, euh, qui est bien là, euh, qui fait que les coins en proof of work subissent un renouveau. Alors évidemment, on n'est pas euh, au niveau d'Ethereum, hein, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de market cap, mais euh, voilà, c'est ça a le mérite d'être là. Et, euh, et nous, petits mineurs de garage, ben, on peut... On peut arriver à y trouver notre compte si on fait bien attention et si euh, bah, euh, on mine pas n'importe quoi non plus. Hein. Voilà, l'année euh, 2023 a aussi été marquée par les scams et bah ouais, il y en a eu plein. Euh, Moi-même, je me suis fait scam avec le lab et une partie de ma communauté aussi. On a perdu des coins hein, puisque cette saloperie, euh, euh, bah, pour le coup, il euh, y avait des gens dedans. Hein. Ils ont parcouru notre ordinateur, récupéré nos wallets, ils ont vidé certains de nos wallets, hein, en particulier le neoxa. Hein, qui a été la cible avec le, 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 le coin Ghost trader le Raptor raptorium euh, tu vois donc c'est quand même euh, c'est quand même chaud, chaud les, les marrons quoi donc suite à ça euh, on a mis en place toutes sortes de techniques avec des vm etc pour pouvoir se protéger contre ce type de scam et depuis euh, on s'est pas refait scam en tout cas pas de cette façon là on s'est fait ce d'autres façons mais pas de celle-ci voilà ex qui a été hacké suite au hacking de ex bah il euh, y en a plein qui ont perdu leur fond tout leur coin etc qu'ils avaient laissé sur les exchanges hein. ça je ne le répéterai jamais assez ne laissez pas vos coins sur les exchanges cassez-vous la tête je sais que c'est pénible parce qu'il faut installer des wallets et des machins et des trucs en plus parfois les wallets ne fonctionne pas bien. Euh, donc c'est pénible, mais il faut le faire hein, pour éviter euh, bah, de perdre ses fonds. Hein. Surtout sur des petits exchanges comme ça. Hein. Rappelez-vous, je mettais un mot de passe dédié à cet exchange-là. N'utilisez pas votre mot de passe général. Hein. Euh, euh, ne laissez pas vos fonds dessus hein, et puis n'installez rien comme programme ou comme chose comme ça qui peuvent venir de ces exchanges-là. Hein, voilà, TeXbit aussi a fermé. Hein. Est-ce que c'était un scam ou quoi On n'en sait rien. Euh, en tout cas, il y en a qui ont perdu leur fonds, il y en a qui ont réussi à récupérer quand même leurs fonds. Mais euh, voilà, ça a été la fin d'une aventure. TeXbit qui a accompagné Caspa et Radiant depuis le départ. Hein, euh, la fermeture de TXBIT a quand même mis un coup euh, euh, à certains coins, malheureusement. Hein. Euh, quand je vois par exemple le, le Radiant qui se négociait très bien sur TXBIT, bah, pour le coup il a beaucoup plus de mal maintenant à se négocier, même si je supporte le coin, euh, les volumes ont quand même pas mal baissé. Voilà, après, on a eu le hack de CoinEx de 70 millions de dollars. Alors là, on est vraiment sur un gros hack. Et euh, malheureusement, euh, suite à ce hack, euh, eh ben, les gens qui avaient des x XDAG, euh, ils ont eu le bec dans l'eau euh, suite à suite à ce hack de CoinEx. Donc, moi, je vous déconseille aussi d'aller sur CoinEx. Hein, ça s'est plutôt mal passé. Alors, voilà, je vous montre hein, les vidéos que j'ai pu faire cette année euh, sur le fait de pouvoir euh, bah, sécuriser ces euh, fonds, hein, euh, tout simplement, hein, chez soi, hein, en self-custody. Hein. Voilà. Euh, autre chose hein, qui a vu, qui a eu pendant cette année 2023, c'est euh, la, la naissance euh, d'un du, mining ultra efficient. Hein. bah oui, les temps sont durs. Hein, les temps sont durs. Euh, on a miné pendant longtemps alors qu'il y avait aucune rentabilité. Hein, donc euh, on minait avec une efficience la plus élevée possible et euh, on a découvert. Euh, alors il me semble que c'est avec lol miner. Euh, on, ou c'est SRB Miner, je ne sais plus. On a découvert euh, une façon de miner euh, qui permet de changer les voltages, euh, la tension hein, du décor sur les cartes Nvidia. Et ça, ça a tout changé puisque ça nous a permis de miner au lieu de miner à 90, 100 watts par carte, on a pu descendre à, à des mining à 60 watts, par exemple sur le caspa. Alors, donc c'était vraiment très, très intéressant. Euh, et donc ça a vu la naissance d'une Comment dire, d'une nouvelle façon d'osser ses cartes. Hein. Désormais, on ne sait plus trop ses cartes dans iOS directement. Hein. On le fait directement dans le miner. Du coup, iOS perd un peu de son intérêt quand même euh, à cause de ça. Hein, puisque iOS permettait bah, d'aller régler les fans, de mettre euh, les OC, etc. Voilà, là on peut le faire directement euh, avec le miner. Quelque part c'est un peu mieux. Et on a aussi vu la naissance du dual, du, des dual OC avec ça. Hein, puisqu'il y a des euh, logiciels d'extraction maintenant qui permettent bah, de, de passer donc, toutes les OC directement dans le soft. Mais en plus de faire du dual mine et donc d'avoir des doubles OC hein, et de les passer à chaque fois dans le soft. Donc C'est vrai que quand tu mines, par exemple, du ZIL et autre chose, par exemple du Radiant, bah, ça va te permettre euh, d'avoir les doubles OC. Quoi, tu vois et les OC pour le ZIL qui sont des OC similaires à Ethereum et puis les OC pour Radiant hein, qui sont des OC Core Intensive. Donc, tu vois, il y a vraiment eu la naissance de ça cette année. Euh, et euh, alors, c'est un peu plus technique que ce que les anciens mineurs pouvaient connaître, hein, puisqu'il faut connaître les paramètres de chaque, euh, chaque mineur hein, à chaque fois. Hein. Mais euh, voilà, c'est quand même très intéressant. Donc, là, on a vu une évolution technologique majeure dans le, dans le monde du minage hein, là-dessus. Hein, voilà. Et puis on a aussi eu les cartes de la série 4000 hein, qui sont arrivées cette année, hein. euh, en particulier avec les 40-70 Ti hein, qui sont vraiment excellentes en mining et en termes de ratio puissance/prix. Hein. Par contre, effectivement, les cartes de la série 4000 sont encore très très chères. Bon, on trouve commence à trouver de moins en moins quand même de cartes de la série 3000, donc je pense que les cartes de la, du, du milieu de gamme de la série 4000 vont se démocratiser de plus en plus, hein. je pense en particulier aux 4060 ou 4070 qui sont excellentes pour le mining, voilà. Euh, autre chose hein, qui est à noter pour cette année 2023, c'est euh, la SEC hein, qui a euh, terrorisé euh, la majorité des exchanges aux états unis hein. ça a été terrible, alors je suis surpris que Gate.io euh, ou que d'autres exchanges ne soient pas inquiétés, mais on a vu euh, le... Nexa hein, quitter euh, les États-Unis. Il euh, y a eu Kraken hein, qui s'est pris une amende de 30 millions, je crois, et là ils se font de nouveau euh, embêter. Euh, alors Coinbase, euh, c'est un peu la lutte. Voilà, Binance, ils ont asphyxié Binance, euh, ils ont fermé euh, toutes, les, toutes les banques qui permettaient de faire le transfert de crypto vers Fiat. Hein, ils ont fait fermer ces banques-là, elles ont fait faillite, ou elles ont carrément stoppé leur activité. Hein. Et parce que Binance, c'est quand même le géant, hein, tu vois, c'est quand même triste ce qui, ce qui se passe au niveau de Binance. Euh, ils ont défoncé ces aides, ils ont mis quelqu'un d'autre, un pion, euh, à la place de ces aides. Donc voilà, à n'en pas douter que euh, voilà l'arrivée de ces ETF Bitcoin, euh, ça va changer le game et aussi, euh, euh, bah, voilà j'espère qu'on ne verra pas de plus en plus de coins en. en en proof of stake bien pourri avec des ICO des bien dégueulasses comme on peut les voir actuellement sur toutes sortes de coins bien cradoc quoi euh, autre chose aussi on a vu l'arrivée des BRC 20 hein, donc l'utilisation de bitcoin un détournement de l'utilisation de bitcoin quelque part hein. euh, c'est une sorte de c'est pas des NFT hein, mais c'est une sorte de NFT euh, directement sur la blockchain Bitcoin. Alors, bon, il y a des pour et des contre, je vais pas lancer le débat, mais en tout cas, voilà, il y a eu euh, l'arrivée de cette technologie-là sur Bitcoin qui existait déjà avant, il faut dire, hein, mais euh, voilà, elle a été mise en œuvre. Il euh, y a même des sortes d'exchanges où on peut faire des tas de choses. Euh, voilà, bon, c'est assez rigolo, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez rigolo. Xdag hein, qui a renouvelé euh, son wallet, hein, qui a un super wallet maintenant. Euh, voilà je voulais juste le dire <laughs> voilà c'est tout on a eu l'arrivée aussi cette année de coin en Proof of Useful Work hein, ou en Useful Proof of Work alors j'attends avec impatience l'arrivée de ce que va nous présenter Flux hein, là dessus hein. je pense que Monsieur TK nous fera un truc super euh, voilà et puis bah voilà moi je suis pas mal de, de coins hein, en, en proof of useful work ou en useful proof of work hein. c'est le cubic et le dinex hein, qui sont mes petits chouchous euh, bah voilà on va attendre de voir ce que ça va donner pour cette année 2024 ces coins là devraient commencer à prendre leur envol euh, on a eu aussi d'autres façons de miner hein, avec des coins euh, en qui se mine par disque dur voilà je n'ai pas encore sorti les vidéos publiques là-dessus, mais ça va venir dans quelques temps. Pour l'instant, euh, il n'en est pas encore question. Ça reste encore extrêmement compliqué à miner. Et je ne vais pas vous sortir une vidéo qui sera habitable. Quoi. Euh, voilà, je voulais aussi vous partager ça. C'est les différentes purges que nous les mineurs on a subies. Hein. Une purge, ça veut dire que bah, des gens arrêtent de miner tout simplement parce qu'ils sont dégoûtés. Ça rapporte plus rien, ils en ont marre, c'est trop compliqué. Euh, donc voilà, faut vraiment être motivé maintenant pour être mineur. Euh, donc faites, faites attention. Hein, voilà, je le répète une seconde fois dans cette vidéo-là. Si vous vous lancez dans le minage, faites attention. Hein, c'est pas un truc simple. Hein, euh, et la chance compte aussi pour beaucoup. Hein, voilà Et puis voilà, ça les a dit pas j'en ai déjà parlé. Hein, voilà. Et puis euh, bah voilà, avec l'arrivée du mining CPU ces derniers mois. Hein. Donc moi j'avais acheté déjà, j'achète, je fais du mining CPU depuis longtemps. Ça fait quatre ans, trois ou 4 ans que j'en fais. Donc j'en avais pas beaucoup. Bon cette année je me suis quand même équipé avec des cpu un peu plus récents, donc des 7000, euh, des 7950 X, hein, des AMD. Hein. Et puis j'ai acheté 3, euh, 3 3900X, voilà ce qui fait que j'ai un total à peu près de processeurs, y compris avec mon PC hein, avec lequel je filme en ce moment qui doit être aux environs de 10 CPU grand maximum. quoi Je pense pas vraiment monter au-dessus hein, parce que quand on mine ça représente quand même dans les, dans les 1000 watts hein, à peu près, hein. donc c'est déjà pas mal pour mon budget euh, en ce qui me concerne. Euh, voilà, moi ça me permet de rentrer très tôt dans certains coins, c'était le but à l'origine, hein, euh, c'était de pouvoir rentrer très tôt dans certains coins, euh, ce qui d'ailleurs a très bien fonctionné. Pour le Carlsen, hein, puisqu'on a pu rentrer extrêmement tôt dans le Carlsen avec du mining CPU, euh, ce qui s'est révélé payant. Alors, moi je hold encore une grande partie de mes coins, hein, donc on verra par la suite ce que ça va donner. Ah, bon, après, tu sais comment ça marche. Hein. Voilà, je vais pas te faire un dessin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!